rassemblés devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leurs corps déformés par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La folle service contre de l'argent, leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur. Le fléau d'outre-monde, la chasse sauvage, traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris.
Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vesemir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Tu seras bientôt à court de jus. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein ? Quoi ? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant ? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al'Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la-moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Nous l'avons beaucoup trop gâtée. Nous ? J'ai toujours dit que Ciri avait besoin d'une éducation rigoureuse. Tu l'as souvent dit, c'est vrai ? Mais elle te mène par le bout du nez, comme nous autres. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas.
Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux ? À ton avis. Bien, enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vesemir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al'Ghul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça. Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Bien, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ? Pas cette fois. Crois-moi, il vaut mieux ne pas faire attendre Vesemir. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vesemir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une ghoul d'une Al'Ghul, tu... L'Al'Ghul se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrise de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vesemir. Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vesemir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bon, assez parlé. Geralt, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre ? Assez de révision. Entraînement libre. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kaer Morhen. Tu as retrouvé le casque ? Ciri ! Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château.
fait longtemps que j'attends ce moment. Bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss ? Yennefer. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute, alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ah, ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile. Incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Geralt. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite, en soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée. Nous a servi lors de situations délicates. Ah, les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends ? Je les entends et je les sens. Des boules. Armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent.
Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants ? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. La guerre tourne mal pour nous. Nous ? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire. La Téméria et Aedirne n'existent plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon, à quoi bon vivre ? Plus vite. Allez, U. On y va ? À l'aide ! Au secours ! Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante, morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine. Inutile de nous remercier, c'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur, qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors ? La piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme.
Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. Oh, c'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la grande route. Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée, ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme, redoublant de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous aurons une piste, ne nous éternisons pas. C'est non loin pour lui poser des questions. Comme il ne s'est pas laissé faire, schlac ! Ils lui ont coupé la tête. Oui, j'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyeur qui avait boulotté le petit. Le sorceleur n'avait rien à voir là-dedans. Comment ont réagi les gens ? Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui recoudre la tête. Il paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard, maintenant. Mon cul, oui. Pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram ? Il va bien ? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Ah. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison.
cherche une femme. Cheveux noirs, les yeux violets. Toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... ça va vous paraître étrange. Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. Les affaires tournent bien, on dirait. Tout le pays est en marche. Certains vont rejoindre leur famille, d'autres fuient la guerre. Et tout ce beau monde a besoin d'un endroit pour boire, manger et dormir. En somme, la guerre vous réussit bien. Oui, pour l'instant. Mais j'aimerais autant que la paix revienne. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il y a un contrat pour le Griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, l'échevin organisait une collecte ou demandait de l'aide au seigneur. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Merci. Ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie ? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Entendu ? Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors ? Au moins ils brûlent pas nos récoltes ? Oh, mon pauvre Dromil, t'es vraiment con à bouffer du foin. Mais pourquoi tu crois qu'ils mesurent, hein ? Pour découper nos terres et les donner à leurs gens, pardi. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter, même qu'elle a renversé Radobor.
Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé, les gars! Le mutant a volé l'esprit de Mishko! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a quatre factions. Quatre quoi ? Factions. Équipes, familles, des couleurs en somme. Chaque faction a ses propres figures. Et il y a des cartes spéciales. Vous voulez pas jouer à la bataille plutôt ? Il m'embrouille les idées, votre jeu. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non. Je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir ? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion Nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans bornes. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwynt ? Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Ma foi, pourquoi pas ? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Thank you.
Bien sûr, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut un esprit analytique. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stiepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwyn. Je m'en souviendrai. Merci. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. Deux schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question. Par les balades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les balades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gaunter de Murray, pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur Nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Calmez-vous. Je ne suis pas une menace. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien fait de mal. Ce fils de pute nous embrouille l'esprit. Chopez-le! Mauvaise idée. Monsieur, ce fut un plaisir.
suis chassé non loin. Bon. J'ai entendu ça. Sauf que c'était un noyau. Wesner, tu viens trinquer avec moi? C'est Erpan. T-E-R-P-A-N. Pas Wesner. Doucement. Un site d'énergie. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation expresse du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynlev est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messieurs. Mais nos troupes, enfin les Démériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Pourquoi? Vous voulez le réquisitionner, lui aussi? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui êtes-vous? Répondez. Geralt de Rive, sorceleur. Un Valgerd. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre,
Il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi ? Ce serait trop fatigant ? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislab. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux. Mais je pense... Je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Tomira et Mislav. Merci. Esunyakten.
Ekelentet et Epevoni Alba. Allez, arracher toute l'écorce de mes arbres. Je vous dérange ? Pas du tout. Passez-moi l'évidence. C'est la fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine Peter Saar quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Je doute que l'empereur Emir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous, vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. C'est bien, Ablette.
Et vous, vous pouvez nous délivrer du mal? Hé! Allez! Il y a quelqu'un. Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Doudou maintenant. Vous êtes Mislav? Chut! Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes.
connaissez ? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Alors, excusez-moi, un petit souci de recharge de manette. Voilà, voilà, de retour. Désolé. Vous étiez proche ? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens gardiens ? Que savez-vous sur le gamin ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Fait peur. Donc les objets, ok. Alors là, c'est les statistiques les plus importantes sur votre personnage. Ok, équiper, sélection. Ok, les armes, ça c'est quoi? L'inventaire, la catégorie, ok. L'inventaire anglais. Et l'inventaire anglais encore. Ok, bon. Là, on a toutes les potions. On peut créer des bombes, fabriquer plein d'huile, de potions et tout pour pouvoir mieux se battre. Voilà. Je vous montre un peu tout. L'artisanat, donc je sais pas trop en quoi ça consiste. Mais bon, apparemment, il faut récolter... pas mal de pierres, d'or
et de fer, d'acier, enfin voilà, ce sera sûrement pour améliorer nos armes. Là donc les livres, c'est les livres qu'on récupérera tout au long du jeu, hein, je pense. Le personnage, un petit descriptif sur les personnages qui sont qu'on découvre petit à petit tout au long du jeu. Voilà. Cyrilla, la petite qu'on a entraînée dès le départ du jeu. Est-ce qu'elle, voilà, nous-mêmes, voilà, la Yennefer, voilà, la personne qu'on recherche, et Vesemir, la personne qui nous accompagne sur cette première partie du jeu. Voilà. Après, les livres. Donc là, apparemment, on va examiner le site où il y aurait eu le Les loups massacre. gardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Mince. Le sol est noir, gorgé de sang. Regardez un peu aux alentours. Oula. Pour l'instant, il n'y a rien. Examinez le site où est mort. Où sont morts les soldats, ok. À l'aide de votre sens de sorceleur, ok. Pour l'instant, ben, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à examiner. Ah, des traces. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des mille gardiens. On va voir où est-ce que les traces nous mènent. Ah. Voilà. Ça tourne là, ça monte. On va suivre tout ça. Effectivement. Et on reste bloqué là, puisque apparemment, il viendrait d'en haut. Ouais, les traces se mettent en haut. Donc on va contourner tout tranquillement. Allez, on va continuer. On va suivre d'un peu plus proche notre. Oula, ça glisse. Ok. Bon, ça c'est des herbes à prendre. On va continuer un peu à ce niveau-là. Alors, où est-ce que ça va? Ok. Ok. Ils sont venus d'encore plus haut, apparemment. D'encore plus haut. Ouais. Chose bizarre, c'est que les traces s'arrêtent ici. Mince. Mince, mince, mince. Ah. Ah, on arrive à avoir une trace qui arrive là. Le nid du griffon. Où Et est-ce on qu'il en arrive reste? sur le nid du griffon.
une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Des entailles profondes sur tout le corps, et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nilfs gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Donc voilà, on comprend un peu maintenant le comment du pourquoi. Par rapport à... Brûler. Seuls des humains ont pu faire ça. Ils ont brûlé les œufs pour éviter d'être embêtés plus tard, je pense. Limiter le problème avec cette ce gros aigle royal, on peut dire. Voilà. Alors, par contre, on va appeler le cheval parce que maintenant on est un peu loin de un site d'énergie du prochain lieu. On va descendre, on va essayer le site d'énergie. Je l'ai jamais fait. Ah, on gagne une compétence et un point. Bon bah c'est bien. Déjà, c'est une bonne chose. Arrivé sur le prochain lieu, on augmentera un petit peu les capacités de notre personnage. Oula, là je crois qu'on s'est... Non, on s'est pas perdu de route. Non. Voilà. On va juste couper à travers champ. Pour que ça soit un peu plus rapide. Quand les rois se battent, c'est les paysans. On va descendre par là. On va s'arrêter là. Parler à la dame. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, tipoque d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment : dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas, ou même un peu de charbon. Non, que je lui ai dit, vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Et ensuite ? Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite ? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti.
Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Et ma peau. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que le type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle, c'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Cadavre. Ça explique la puanteur. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices. Merde. Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récuré. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. De la suie, exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a grattée pour en faire de l'encre. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil, pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Il est pour la route. Je vais me faire... Sacré vent.
Je vais nous faire cuire un beau filet de poisson pour lui. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. C'est bien, Ablette. Tout doux maintenant. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, petit? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Désolé. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuire à ce qu'a bossé, faire à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfs gardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne ne me parle. Crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Il me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon.
Bonne chance. Les ennuis. Que le soleil brille sur vous. Vous croyez avoir la vie. Quand les rois se battent, c'est les paysans qui trinquent. Serre encore arraché toutes les corses de mes armes. À qui appartient ce champ? Ah, ça? Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont perdu un succès qui chasse non loin qui pose des questions. Mais dites-moi, ce voyage, vous pensez qu'il va inspecter son champ prochainement? Pourquoi faire? Il y a encore du temps avant la récolte. Sauf que c'est un noyau. Le sorceleur n'a rien à voir. Comment on va le changer? Bah, et même moi je pouvais. Se battent, c'est les paysans qui trinquent. Bon. Oh, j'ai mangé trop de prunes. Il n'y a que des honnêtes gens ici. Ne vous approchez pas de moi et de ma famille. Tous les dieux, que le soleil brille sur vous. Fichez le camp d'ici. Votre tête ne revient pas, Grison. Tu vas chez Yagi ce soir ?
verra ça plus tard. Quand les rois se battent, c'est les paysans qui trinquent. Bien. Reculez. Vous aurez prêt. Alors, allez froid. Les femmes du Nord se lavent qu'une fois, les trois lunes. De potes, un homme grand. Ça pue la pisse et la vodka.
Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. C'est vrai que les femmes du Nord se lèvent une fois toutes les trois lunes. Oui. Erigloire, si vous cherchez de la nourriture, allez voir ailleurs. Reculez. Où voulez-vous, étranger? Ouais. Tu veux t'enrôler, Nordien ? Ouais. Pas raisonnable. Qu'est-ce que ça va ? Alors, carte du monde. Donc voici des points de compétences qu'on peut avoir. Alors, on va prendre quoi? Il y a attaque rapide, attaque puissante, défense, adresse au tir, fureur guerrière. On va prendre défense pour commencer, je pense. Parce que de toute façon. Défense là, ouais. Oui. Voilà. On va la racoler dans cet espace là. Et vu qu'on en a une deuxième, je pense que. Mémoire musculaire, non. Réflexe fulgurant. Je pense pas que ça nous servira. Détermination. Ah purée. On va prendre ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Déjà. Non. Donc. Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la discipline. Bon, il y a le pont là. Ok. C'est quoi ce sac? Qu'est-ce que ce serait? Ok. Jusqu'à là, tout va bien. Il faut trouver une personne assez grande. C'est sûr que s'il se lève pas. Je pense pas que ça soit vers là.
essayer de ce côté-là aussi, hein. Tant qu'à faire après tout. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose sous le pont. On sait jamais, hein, on peut tomber sur quelque chose, on ne sait pas. Non. Rien de spécial. Alors là, je suis complètement paumé. Je sais pas si... Est-ce que vous pensez que ça se... pourrait être l'un des... des personnes... l'une des personnes, l'une des gardes. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Nordien. Bon, apparemment, il y a quelque chose à récupérer là. Mais quoi ? Non. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir... On dirait pas, hein. Peut-être on en passe à côté de quelque chose à chaque fois. Ça peut paraître minime. Je ne sais pas. Donc les traces, elles viennent comme ça, tac. Elles viennent là, elles s'arrêtent là. Et ensuite. Est-ce que vous pensez qu'il a pas pu faire comme ça directement? Ça paraît un peu bizarre. Il serait pas allé là-bas directement. On va essayer d'aller sur l'autre rive. Pour voir si on trouve pas d'autres informations. Mais on ne dirait pas. Non. Bon. Bon. C'est pas de ce côté-là déjà. Proche de quoi? On est proche d'un truc apparemment. Mais quoi? Ça veut un peu rien dire, proche. Salut à toi, Mama Mochi. Ah, je viens de passer à côté d'un truc examiné. Ok. Bah, merci à toi, Mama Mochi. Ses bottes et est allé dans l'eau. Ouais, mais ça, je l'ai déjà lu, malheureusement. Donc, il a été dans l'eau. Bon, admettons. Allez. On est un voleur, on va dans l'eau. Ça paraît un peu bizarre. Soit c'est un garde. A l'air d'avoir de trucs là dans l'eau. C'est quoi ça? Non. Bon. A l'air de rien avoir non plus à cet endroit là. Bon, on va remonter un petit peu. Ok. Quelqu'un de grand. Ce serait pas lui. Oui.
Oui, oui. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les trois lunes. D'abord. Attendez, on va essayer autre chose. On va essayer ça, comme ça. Vite fait. Ouais, près du bateau, non, effectivement, on l'a déjà fait. Et je pense pas, alors... Vous allez le regretter. Bon, allez. Parce qu'après tout, on doit bien... Voilà, non, ça marche pas. Non, c'est pas souvent comme ça ce jeu, je pense pas. Mais bon, il y a certaines guerres. On la refait. Non, bonjour, c'est jamais comme ça ce jeu. Mais j'espère bien. Non, non, je sais pas. Là, je débute dans ce jeu donc. Il y a des quêtes qui sont super faciles et des quêtes un peu plus galères. Maman me dit de pas parler aux étrangers. Elle a bien raison, tu vas me parler. Maman si. Me dit de pas parler aux étrangers. Attendez, on va réessayer autre chose. Et si ça marche pas, bah tant pis pour son... Proche, ça veut rien dire proche. Bon, apparemment faut nullement se battre avec les ennemis. Ben, il est super bien, il est super bien fait, il est super intéressant. L'histoire n'est pas débile. Apparemment proche, ok. Et vous êtes pas dit l'aurait planqué je sais pas proche. Attendez, proche. On est proche. On va faire le périmètre tranquillement en marchant. Voilà, si vraiment on n'arrive pas, on passera à autre chose. Et j'essaierai de... Sans tricher, j'essaierai de... Bah de le travailler dessus. Voilà. Alors attendez,
Et passer comme ça, ok. On est super proche. Mais proche de quoi? D'ailleurs, à la limite, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on cherche à la fin. C'est un truc de fou, quoi. Mais bon. Attendez. On va passer par là. Le diable dans le vieux chêne s'assoit. Il brasse du cidre en criant de joie. Il le descend à grande gorgée. Puis au matin hurle, ma tête ne cesse de tinter. Un, deux, trois. La vieille sorcière te voit. Mon père aussi, il avait une épée avant. Un, deux, trois. La vieille sorcière te voit. Ok. Bon. Cherche un incendiaire, au fait. Donc, taille assez grande. On peut pas passer par là. Et on ne peut ni passer par là. Donc, faudrait trouver une personne de grande taille correspondant au signalement. Et là, c'est le drame. Sinon, ça va vous, les viewers, tranquille? Vous allez bien? Bon, je récupère 2-3 herbes. Je vais essayer de faire encore le tour une fois, vite fait. Pourquoi ça serait pas influencer un adversaire? Calmez-vous, Vapierre. Calmez-vous, Vapierre. Je l'aurais prévenu. Bon. Allez, approche. Attendez. J'aurais pas. Non. Ça ne correspond pas du tout au signalement. Bah c'est pas grave, on va passer à autre chose, les amis. Là, je suis complètement paumé sur cette mission-là. En plus, je perds bêtement de l'argent. Mince, alors, schnell. Allez. C'est un peu... un peu flou l'indication qu'on nous a donnée, une personne de grande taille et... Ouais. À part... Bon. Ah, c'est énervant de ne pas trouver là. Alors sur cette quête là, franchement, je sais plus trop quoi faire. Mais bon, c'est pas grave, faut pas se manger non plus la tête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, l'Orient Guard gay, ouais. Tout à fait. Et attendez.
J'ai envie d'aller voir. Je vais voir le marchand vite fait là, le paysan là. Bah, j'ai pas volé. Oh là là, j'allais te le payer ton truc. Bon. On va s'échapper un peu. Mince, pas le bon chemin. Pas grave. On va repasser comme ça. Oh, allez. Oh, il est joli. Allez. On va s'arrêter vers là. Je pense que... Ce qui est quand même bizarre, c'est que... En avant. Ouais, en avant. Hein. C'est bien, Ablette. Ouais, c'est bien, mais t'arrives pas à passer, alors... Oh non, va pas me dire que je suis resté bloqué. Bon. T'as bien compris, t'arrives pas à passer. Voilà. Bon, on va faire d'autres quêtes. On a d'autres quêtes à faire. Et moi, là, de ce côté-là, j'avais pas trop fouillé non plus. Apparemment, on devrait avoir des loups là-bas. C'est quoi ça? C'est des loups, ok. Non, non, c'est pas des loups. Ah, sympa le cheval. Il sent beaucoup moins seul. Bon, on récolte, hein. Voilà. Je crois que... Je suis pas sûr, mais je crois que... On peut avoir peut-être... une piste à ce niveau-là. On va essayer. Elle est un peu bizarre cette forêt quand même, hein. Allez, on va récolter là. Et on retourne là-bas directement. Bon. Bon. Vraiment. Un vrai voleur après. Vous savez, il suffit de marcher pieds nus. C'est bon. Hein. Trace de bottes. La première grange. Je suis sûr qu'il doit être caché dans un endroit. Vraiment. Vraiment bizarre. Hein. Y a personne dedans. Donc on se passe pas accusé de vol. Voilà. Et là de ce côté là, qu'est-ce qu'il y aurait? C'est quoi ça? Rien. Là il y a rien non plus. Il y a rien de ce côté là non plus. Bon, c'est pas grave. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. On va voir l'autre quête tout de suite. Donc carte du monde, c'est pas ça qu'on cherche.
Ok. Donc, trouver d'une. Ok. On va appeler le cheval. On a 292, je pense, pas à faire. Je pense que ça vient de là. Je pense que c'est les pas cheval et non distance. Parlez souverain, votre chien. C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, moi. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ses foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Donc là, on va aller sur cette seconde quête. On le suit hein, après tout. Hein. Ah, je pense que je vais appeler le cheval. Allez. Hamlet. C'est un peu Roméo et Juliette. Et Hamlet. Et tout. C'est sympa. Ah.
Ah, vous voilà. Bastien, son corps doit se trouver là, quelque part. Au milieu de beaucoup d'autres. Il va falloir les examiner un par un. Ça risque de prendre un moment. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu. Pour s'identifier pendant les combats. Ils étaient qu'une poignée. En cherchant les fleurs, on devrait vite retrouver Bastien. Sans vouloir jouer des pénibles, plus d'un soldat a lâché son bouclier. Surtout dans le camp des vaincus. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Allons-y. Plus vite on en termine, mieux c'est. Chercher les boucliers témériens, porteurs de petites fleurs blanches, peintes à l'aide de vos sens. Ouais, ok, bon bah. Allez, hein, c'est parti, j'ai envie de dire. Cadavres. La guerre ne fait que commencer. Ouais, ben bah, quel bordel. Non. C'est lui ? Non. C'est le fils d'un voisin. Voilà. Allez, Hussard. J'ai buté le chien. Toujours rien. Bon. On a quand même vite fait là. On va pas s'embêter, hein, après tout. C'est lui ? Non. C'est le fils d'un voisin. Toujours le fils d'un voisin. Allez, Hussard. En même temps, dans un village, fils d'un voisin. C'est lui ? Non. Ça lui ressemble pas du tout. Ok, bon. Allez, Hussard. Tu sens Bastien, le chien ? Bon. Ouais, celui-là, on l'a déjà fait, je crois, en plus. On l'a déjà fait. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je sais pas pourquoi, mais... Je sens qu'il doit pas être super loin non plus. Ça, on l'a déjà fait. Ça pourrait être lui. Bastien était costaud, large d'épaule. Celui-ci paraît plus fluet, mais c'est peut-être dû au feu. Bon, on... Ah. Il l'a trouvé. Hussard est sur une piste. Venez. Allez. Exiger qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste, et tout ce qu'il répétait, c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un ordre. » Tu te rends compte. La poète. Merci, Monamochi, de ta visite, et... Merci pour ton follow. Merci à toi.
Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Bastien ? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé ? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type, Rosine, m'a trouvé en rampant sur le champ de bataille. Sa jambe est tordue. Et nous voilà, un aveugle et un estropié. On a trouvé cet endroit. Je te ramène à la maison. Il faut s'occuper de tes blessures. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les siens. Il a déserté. Il le prend. Et s'il découvre qu'on cache, on sera tous pendus. Malige avec. Non. Le Nilfgaardien reste ici. Votre frère a raison, Bastien. Les Nilfgaardiens sont sans pitié. Ils ont leurs lois à eux. Des lois cruelles au possible envers quiconque cache ou aide un déserteur. Rosine, je te porterai à manger. Et un herboriste. Tu verras, dans une semaine ou deux, tu... Vas-y. Merci, sorceleur. Votre prime. Et puissent les dieux veiller sur vous. Donc voilà, on a gagné 25 points d'expérience. La quête a été terminée. Merci à tous d'avoir donc participé à ce live. C'est sur cette fin de quête que l'on terminera cette soirée. Je vais en profiter pour remercier tous les viewers qui sont venus durant ce live. Et je rappelle que demain, je relancerai aussi un autre live. Je pense peut-être pas à la même heure, un peu plus tardivement. Restez connectés sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à mettre un petit follow, hein, comme je vous l'ai conseillé. Ça fait toujours plaisir, hein. C'est, je pense que 90% des gens qui viennent sur les lives des autres, Twitch, eux aussi, je pense. Hein. Voilà. Merci à tous. Une excellente soirée à vous et votre famille. Et prenez soin de vous. A ciao, ciao. A plus.